mais tu ne cours pas pour de vrai. Cours vraiment. Les moustiques, laissez-moi, si vous me touchez encore, je vous... Papi la laisse gagner. Oui, c'est un gentleman. La première seront la dernière. Bravo, bravo. Ok, 1, 2, 3. Bonjour et bienvenue sur Diosan. Je suis très contente de vous avoir avec moi aujourd'hui. On est ensemble pour une nouvelle vidéo. Donc, partagez, aimez, commentez et que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez apprécier et apprendre. Bon, voilà, le titre de notre partage aujourd'hui, c'est rendre grâce. Mais on va parler un peu plus en profondeur comment rendre grâce quand ça ne va pas. Je vous ai montré cette petite scène qui a précédé la vidéo. Ce n'était pas un montage, c'était vraiment un moment qu'on passait en famille hier après-midi. Et c'était bien, je rends grâce à Dieu pour des petits moments comme ça. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai voulu partager ce petit moment, cet extrait précisément? Juste parce que certaines choses, on a tendance à les prendre pour acquis. On a tendance à ne pas s'apercevoir que c'est des bénédictions. On a tendance à prendre comme bénédiction les trucs matériels, les choses qui sont palpables. L'accomplissement scolaire, l'achat d'une maison, une voiture, une stabilité financière. On a l'habitude de voir ces choses le plus souvent comme étant des bénédictions. Mais avoir sa famille auprès de soi, c'est une bénédiction. Se réveiller en étant en santé, c'est une bénédiction. Ou se réveiller tout court, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Mais c'est des choses que l'on prend pour acquis, comme si à chaque matin, automatiquement, je devais me réveiller. Ne prenant pas compte que quelqu'un a peut-être supplié pour sa vie hier soir et ne s'est pas réveillé. Une personne a peut-être prié à ce qu'elle se réveille et voit son enfant encore ce matin et ce n'est pas arrivé. Et ce genre de choses, on les prend facilement pour acquis. Pourtant, Éphésiens 5, 18 nous dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on puisse se rappeler de ses bienfaits, c'est qu'on puisse en tout temps dire merci, c'est qu'on puisse en tout temps avoir une attitude de reconnaissance. Maintenant, le dire et le faire, c'est beaucoup plus difficile. C'est vrai qu'il y a le fait que, premièrement, il y a des choses que l'on prend pour acquis, donc on ne dit pas merci. Et deuxièmement, il y a le fait que c'est difficile de rendre grâce quand ça ne va pas. Difficile mais possible. Je vais vous raconter un peu mon petit témoignage sur comment est-ce que le Seigneur a commencé à m'apprendre à dire merci et comment rendre grâce m'a sorti d'un moment de noirceur ou d'un moment où est-ce que je me sentais perdue. Au début de cette année, la fin de l'année 2019, le Seigneur m'a bénie, a béni ma famille avec une grossesse. J'étais très contente. Pour les personnes qui me connaissent, savent que j'ai toujours dit que je voulais avoir 4 enfants et je voulais absolument avoir mon dernier bébé avant mon anniversaire de 30 ans. Et ce qui est arrivé, c'est qu'en novembre, on a eu la merveilleuse nouvelle qu'on attendait un bébé. J'étais excitée,
Comment est-ce que je vais expliquer ça? Je vantais les bienfaits de Dieu. Je vantais le fait que c'est important de prophétiser, de parler, parce que la vie et la mort sont sur le bout de nos lèvres. Le fait que je prophétisais toujours cela, je me suis dit, waouh, le Seigneur a écouté les paroles de mes lèvres. Voilà, je suis enceinte. Je suis enceinte. Je suis tombée enceinte en novembre. Et l'accouchement a... Donc, comme je vous disais, cette grossesse devait... Je devais accoucher en août. Août 2020. Et mon anniversaire est le 13 septembre. Donc quand je faisais les calculs, j'étais comme waouh, Seigneur, tu es extraordinaire. Seigneur, tu es bon. J'ai appelé les amis, les proches. Et la seule chose qui sortait de ma bouche était les louanges, Seigneur, de dire à quel point Dieu est bon, à quel point il est fidèle. Comment est-ce que un Dieu si grand peut même écouter ce qui sort de mes lèvres et l'accomplir, accomplir le désir de ton cœur? Je ne peux pas vous décrire le sentiment de joie que j'avais à quand on a su que justement j'étais enceinte. Mais comme vous voyez là dans cette vidéo, je vous parle de ça au passé. Et si vous regardez bien, il n'y a pas de ventre. Donc, au début de cette année, j'ai perdu cette grossesse en janvier. Je ne peux pas expliquer comment est-ce que ça s'est passé. Je ne peux pas trouver une raison pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça. Mais cette grossesse s'est terminée le 14 janvier 2020. Et c'était la première fois que j'expérimentais quelque chose comme ça. Cette expérience m'a amenée dans un moment de culpabilité, premièrement. Ou est-ce que je pensais que tout était de ma faute? C'est parce que je n'ai pas assez prié. C'est parce que j'ai relâché dans mes convictions. C'est parce que ceci, c'est parce que cela, c'est parce que ci, c'est parce que ça. Après cette période de culpabilité, il y a eu ce moment où est-ce que tu as une haine à l'intérieur de toi. Juste, je ne sais pas comment expliquer ça. Pour moi, je sais que chaque personne vit le deuil ou la perte d'un être cher différemment, mais pour moi, ça m'a plongé dans un endroit de noirceur. Où est-ce que, au fait, ce n'est pas, quand je parle de la haine, ce n'est pas que tu haïs les gens, mais c'est plutôt une colère envers tout le monde, tout le monde. Peu importe si quelqu'un te dit, oh, ça va aller, oh, ça, tu n'arrives pas à recevoir quoi que ce soit de bon. À l'intérieur de toi, tout est noir. Je ne sais pas comment vraiment mettre les mots sur ces sentiments. Mais parce que j'avais l'impression que Dieu m'avait abandonné, que Dieu ne comprenait pas, que Dieu m'avait laissé, c'était comme ça aussi que je voyais tout le monde. J'avais l'impression que personne ne pouvait comprendre. Personne ne pouvait réaliser combien est-ce que j'avais mal. D'autant plus que ce n'est pas un enfant qu'on a vu, ce n'est pas un enfant qu'on a pu toucher, ce n'est pas un enfant que... Vous voyez ce que je veux dire. Pour l'être humain, c'est important d'avoir des choses concrètes, des choses palpables, afin de prendre conscience de certaines choses. Mais pour moi, c'était palpable. Cet enfant grandissait à l'intérieur de moi. Je ressentais les bulles. J'avais mis dès le début de ma grossesse une petite application qui me permettait de voir à chaque semaine comment est-ce qu'il grandissait. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, à 7 semaines, il a perdu la petite queue que le fœtus a. À 9 semaines, ce n'est plus un fœtus, ça devient... Et tout ce genre de choses. De quelle grosseur il est aujourd'hui? Et je montrais ça à mes enfants, je les montrais et je prophétisais encore une fois. C'est un garçon, vous le voyez très bien, j'ai 3 filles. Et j'ai toujours voulu 3 filles et un garçon. Du coup, comme le Seigneur avait répondu à ce premier désir de mon cœur qui était d'accoucher avant mon anniversaire de 30 ans, je me disais certainement il est aussi capable de me donner un garçon comme je le désirais. Donc, toute cette déception, tout ça, c'est beaucoup de sentiments mélangés, m'a plongé dans une noirceur. Et je n'arrivais plus à prier, je n'arrivais plus à apprécier quoi que ce soit. Même mes enfants qui sont auprès de moi, mon mari, ceux qui sont là que je vois, je n'arrivais pas à les démontrer de l'amour. Mais j'avais décidé une chose, que j'allais être vraie devant Dieu. Je n'allais pas me cacher et sourire et dire que ça va. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Je vais juste accepter le fait que je ne vais pas bien.
Et je vais me baser sur la parole de Dieu qui dit que même quand je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Comme je vous l'ai dit, je n'arrivais pas à prier, mais je restais toujours... Comment est-ce que je vais dire ça? Même si tu ne peux pas prier, même si tu n'arrives pas à ouvrir ta Bible et la lire, même si pendant que tu es à l'église, tu n'es pas forcément focus ou bien tu n'es pas vraiment... Tout le monde ressent la présence de Dieu, toi tu es juste là, reste là. Reste là, éventuellement l'Esprit de Dieu va te toucher. Éventuellement le Seigneur va faire, quelque chose va faire un déclic. Et tu vas pouvoir entendre à nouveau de la part de Dieu. Éventuellement ça va aller mieux. Et parce que je pensais comme ça, je suis juste restée là. Une chanson m'a beaucoup aidée pendant cette période. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'entendre cette chanson, je vais un peu la fredonner. C'était ce que je chantais matin, midi et soir parce que cette chanson exprimait vraiment le cri de mon cœur. Ça exprimait vraiment comment est-ce que je me sentais pendant ce moment. Tu dis que tu m'aimes, mais je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, mais je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même quand je crois tomber. Et quand je m'égare, tu dis que je reste à toi. Et moi j'y crois, oh j'y crois, ce que tu dis de moi. Oui, j'y crois. Le couplet dit que les voix dans ma tête m'amènent à croire que je ne suis rien. Et c'était exactement comme ça que je me sentais. Je n'ai pas vu dans la Bible où est-ce que quelqu'un a fait une fausse couche. Si vous en voyez, je vous invite à commenter et on va partager là-dessus. Parce que pendant un bon bout, j'ai ouvert ma Bible pour chercher à quel moment est-ce que le Seigneur arrête une grossesse. Est-ce que, ok, si ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi, mais pourquoi est-ce qu'il a permis? Et tout ce genre de raisonnement, est-ce que c'est parce que je ne suis plus appréciée de Dieu comme je l'étais? Est-ce que je n'ai plus sa faveur? Est-ce que maintenant je suis maudite? Tout ce genre de pensée, vous pouvez déjà, avec tous les petits détails que je vous donne, vous imaginer dans l'état d'esprit dans lequel j'étais. Je me suis sentie abandonnée encore plus parce que j'ai eu la chance, la grâce de partager ce moment de grossesse avec deux de mes meilleures amies. On avait toujours dit qu'à un moment donné, quand même, on aimerait être enceintes tous les trois ensemble. Je ne vais pas citer leurs noms, mais elles vont se reconnaître. On avait toujours dit que, ok, oui, à un moment donné, on va tomber enceinte ensemble. Pas qu'on allait planifier, ne comprenez pas mal, mais qu'on aimerait partager ce moment de grossesse tous les trois avec le ventre gros et tout ça. Et on a appris à l'intervalle de 2 semaines ou 1 mois pour chacune que, ok, on était enceinte. Et pour moi, ça s'est arrêté. Du coup, plein de sentiments mélangés. C'était difficile pour moi d'arriver à rendre grâce à Dieu dans des moments comme ça. Ça le rendait encore plus difficile pour moi de comprendre quand je pensais aux promesses de Dieu. Parce qu'au début de cette année encore, je n'avais pas encore dit à personne, en tout cas pas dans mon entourage, à part mon entourage proche qui était au courant, je n'avais encore dit à personne dans ma communauté que j'étais enceinte. Et le Seigneur a envoyé au début de l'année une personne pour me donner une prophétie, je dirais. Et ce que je vivais était vraiment tout à l'encontre de cette prophétie. Cette personne me disait comment est-ce que pendant cette année 2019, les plans de Dieu allaient m'épater. Et là, ce n'était pas ce qui était en train d'arriver. Ce n'était pas ce qui était en train d'arriver. Donc, beaucoup de questionnements et un blocage. La louange de l'Éternel n'était pas sur mes lèvres. Je chantais des chansons chrétiennes, mais c'était des chansons de tristesse, comme celles que je venais de vous fredonner tout à l'heure. Et c'était difficile, c'était vraiment difficile. Maintenant, comment est-ce que le Seigneur va m'amener à apprendre à lui dire merci? J'ai fait la fausse couche le 14 août. Non, le 14 janvier, je suis désolée. J'ai fait la fausse couche le 14 janvier 2020 et je suis partie une semaine après, qui veut dire le 21, je crois,
à l'hôpital pour pouvoir avoir un nettoyage et tout cela. Et le 21, quand je suis rentrée de l'hôpital, j'étais fatiguée, j'étais exaspérée, j'étais dans tous mes états. Je suis seulement partie m'allonger parce que, pour ceux qui l'ont déjà expérimenté, avoir une fausse couche, c'est réellement comme si tu accouchais, mais sauf que tu n'as pas ton bébé. J'avais de fortes douleurs à la taille, donc je ne pouvais que rester allongée. Je suis partie m'allonger et quelques minutes après, j'ai entendu ma plus petite, en train de s'étouffer. Et elle se tenait la gorge. Oh, 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 oh. Elle voulait s'étouffer. Son père venait de lui donner un bonbon et elle l'a avalé. Et là, d'un seul coup, je suis comme, Seigneur, encore moi, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour irriter Dieu à un point pour que tout cela s'acharne sur moi d'un seul coup? J'essaie de lui taper le dos, j'essaie de ci, j'essaie de ça, mais en même temps, je crie Jésus, 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 Jésus. Et rien, elle pleure, elle est paniquée, elle est dans un état de panique. Son père la prend et essaie de la mettre sous l'eau pour essayer, en fait, on agit juste sur l'adrénaline, quelque chose qui va faire qu'elle puisse recracher ce qui est en train de l'étouffer, mais rien à faire. Donc, je prends le téléphone et j'appelle les ambulanciers qui viennent. Et entre-temps, pendant le temps qu'ils viennent, elle s'est calmée. Elle n'a pas recraché le bonbon. Elle tenait toujours sa gorge, sa bouche avec beaucoup de crachats, de mucus, je dirais. Elle ne voulait pas boire. On voulait la faire boire pour voir si ça pouvait descendre, mais non, rien. Donc, les ambulanciers l'ont pris. Et l'ont amenée avec moi. Je suis montée dans l'ambulance avec elle. Et on est parti à l'hôpital. Dans l'ambulance, l'enfant s'est juste mis comme ça. Et là, le monsieur qui était là, l'ambulancier qui était avec moi en arrière, a mis le petit truc dans son doigt pour essayer de prendre ses signes vitaux. Impossible, on n'arrivait pas à prendre ses signes vitaux. Même à calculer comme ça, on n'arrivait pas. Là, je commence à paniquer. Et je suis comme, Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. En fait, c'est comme si j'étais dans un règlement de compte avec Dieu. C'est un peu difficile, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Mais j'étais comme, Seigneur, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, touche-la, guéris-la, touche-la. Je n'accepte pas, je ne veux plus perdre. Et on arrive à l'hôpital. Après quelques temps, elle récupère et tout ça. Et il y a un frère. Ce qui m'a touchée, pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? Ce qui m'a touchée, c'est qu'en dépit de tout ça, à un moment donné, elle a commencé à aller mieux. Les médecins avaient peur que le bonbon soit parti dans ses poumons, dans ses voies respiratoires au lieu des voies digestives. Donc, il fallait qu'elle passe des rayons X. Les rayons X étaient bons, mais ils voulaient absolument qu'on revienne avec elle, qu'on puisse passer en ORL pour qu'on puisse passer une caméra dans ses voies respiratoires et s'assurer que ce n'est pas resté coincé là. Donc, avant que tout cela soit fait, tu es encore dans une phase d'incertitude. Malgré qu'elle va bien, tu ne sais pas, elle va bien pour combien de temps, et les médecins t'expriment leur inquiétude et tout ça. Et il y a un frère qui m'appelle, qui me dit, où est-ce que vous êtes? Je lui dis qu'on est à l'hôpital et tout. Et il me dit, j'arrive. Il est venu, il a accompagné mon mari parce que moi, je suis partie en ambulance. Et il est venu avec mon mari. Et je rends grâce à Dieu pour la famille en Christ, des gens qui prient pour toi et qui sont disponibles afin que Dieu les utilise. Parce que ça a été aussi des choses qui m'ont aidé. C'est des personnes que le Seigneur a utilisées pour me montrer que même au milieu de cette noirceur, même si tu as l'impression que le monde est contre toi, même si tu as l'impression que moi-même je suis contre toi, mais je suis encore là. Et ce frère m'a témoigné me disant, tu sais pourquoi est-ce que je t'appelais? Je ne t'appelais pas parce que j'étais au courant que tu étais à l'hôpital, juste que j'étais à l'église en train de prier et le Seigneur mettait votre famille à mon esprit et j'avais envie de passer vous voir et prendre de vos nouvelles. Donc j'appelais seulement pour savoir si vous étiez à la maison et c'est comme ça que je lui ai dit que j'étais à l'hôpital. Et ça m'a marqué. J'ai dit, Seigneur, ok, c'est vrai que je sens que je suis seule, c'est vrai que tout ça s'est passé, mais tu es encore là. Tu es encore là et tu m'aimes encore. Et ça a été un soulagement. C'est une petite chose, mais ça a été un soulagement énorme pour moi de savoir que en dépit de tout cela, le Seigneur était encore là. Et même pas une journée après, celle du milieu, Francesca est tombée malade. Elle a eu l'influenza.
et elle a dû aller à l'hôpital, avoir des médicaments par les veines, et elle est restée couchée pendant plus de 4 semaines. Après, ça a été sa sœur, la plus grande. Je vais pas pleurer. En fait, maintenant, je rends vraiment grâce à Dieu, mais repenser à tout cela, c'était vraiment un marathon émotionnel, je dirais. Je n'ai pas eu le temps de guérir de la perte de ce bébé, que je devais être présent pour ma petite fille qui venait d'avaler le bonbon. Après, pour celle du milieu, il n'y a pas eu de répit, en fait. Il n'y a pas eu un moment de pause, que celle du milieu est tombée malade et encore en cours d'urgence. Et pendant que celle du milieu est à la maison avec papa, la plus grande a reçu un coup sur la tête et a fait une commotion cérébrale. J'étais comme... C'est comme si tout le monde s'écrasait sur moi. Et dans ces moments-là, je ne pouvais que m'approcher de Dieu. Même si je ne pouvais pas prier, j'allais me mettre à genoux et pleurer. Le Seigneur comprend les soupirs. Il comprend les larmes. J'allais pleurer devant Dieu. Et même quand je n'étais pas guérie encore, je me présentais à l'église. J'allais avec mon coussin. Même pas habillée un dimanche comme le code vestimentaire normal, je veux dire. Juste habillée en vêtements de maison avec mon coussin, je m'assois en arrière et j'essaie de recevoir de la part de Dieu. Et le Seigneur mettait tous ces gens qui venaient et me posaient les mains et priaient pour moi. Et je disais, Seigneur, même si tu n'écoutes pas ma voix, écoute leur voix. Même si je suis peut-être en abomination devant toi. Parce qu'à ce moment, je pensais réellement que j'ai fait quelque chose pour mériter cela. Même si je suis en abomination devant toi, Seigneur, écoute leur voix. Écoute le cri de leur prière et secoue-moi de là où est-ce que je suis. Secoue-moi de là où est-ce que je suis. Je suis désolée pour le débordement d'émotions. Mais... Après, le lendemain, quand je suis partie pour ma plus petite, je sais que ça fait un peu beaucoup d'histoires mélangées, mais tout ça s'est passé en même temps exactement. Et quand je suis partie pour ma plus petite, et qu'on me dit non madame, maintenant voilà, on a regardé dans ses voies respiratoires, tout va bien, vous pouvez rentrer à la maison étant zen, tout va bien, ce n'est pas dans ses voies respiratoires. J'ai soufflé, j'ai dit merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Et je suis rentrée à la maison avec mon bébé. Même si les deux autres étaient malades, je continuais de donner les médicaments, je continuais de prier, je continuais de rendre grâce à Dieu. Et à chaque jour, à chaque fois qu'elle se réveillait et que je la voyais, je disais merci Seigneur. Et je ne vais pas vous dire que du jour au lendemain, ça s'est... Tout est devenu rose et j'ai compris le pourquoi. Jusqu'à présent, je ne comprends pas le pourquoi j'ai dû faire face à tout cela. Mais je sais que le Seigneur voulait attirer mon attention à quelque part. Je sais que le Seigneur voulait que je me rende compte que même dans les épreuves, le Seigneur est là. Même dans les moments difficiles, Dieu ne te laisse pas. Même quand tu as l'impression que tu es dans un désert et que personne n'est là pour toi, que personne ne te comprend, Dieu finit, si tu prêtes vraiment attention, Dieu te montre à quel point il est présent. Il utilisait des petites choses. Et ces petites choses, à chaque fois que je commençais à prendre connaissance de ces petites choses, quand la chanson, je crois que vous le connaissez, qui dit « Compte les bienfaits de Dieu », à chaque fois que j'arrivais à voir « Waouh, c'est vrai que ça ne va pas, mais le Seigneur a fait ci. C'est vrai que ça ne va pas, mais le Seigneur a fait ça. C'est vrai que ça ne va pas, mais le Seigneur a fait ci. » Et je pouvais dire « Merci Seigneur de m'avoir réveillé ce matin. Merci Seigneur de m'avoir gardé. Merci Seigneur d'avoir permis que mon couple passe à travers cela. » Parce que oui, pendant la perte de ce bébé, les ressentiments que j'avais, les ressentiments que mon mari avait, on ne vivait pas cela de la même façon. Et il y a eu à avoir des frictions. Mais j'allais devant Dieu. J'allais devant le Seigneur et le Seigneur nous a aidés à traverser cela et à encore nous rapprocher plus que l'on était avant. Donc, pourquoi est-ce que je vous raconte ce témoignage? Pourquoi je vous raconte tout ceci? C'est pour pouvoir vous dire que c'est possible de traverser l'enfer.
et de rendre grâce à Dieu. C'est possible de passer à travers un moment difficile et de pouvoir rendre grâce à Dieu. C'était une phrase qui me froissait avant, quand je venais de perdre cet enfant et qu'on me disait, tu en as trois autres, ou bien il y en a d'autres qui n'ont pas. C'était comme pour moi une gifle. Mais avec du recul, c'est pour ces choses que j'ai commencé à rendre grâce à Dieu. Merci parce que ce bonbon n'a pas étouffé Lilia. Merci parce que malgré les problèmes respiratoires que Francesca a eu à expérimenter pendant l'influenza, elle va bien. Merci parce que malgré la commotion cérébrale, Lauriana va bien. Merci Seigneur parce que tu m'as rapproché de mon mari. Merci parce que tu as su me rapprocher de toi. Je me rappelle de la première fois après cet incident que j'ai ressenti réellement la présence de Dieu. Toutes ces choses, pour toutes ces choses, je rends grâce à Dieu. Je ne peux pas, on ne doit pas comprendre qu'on doit rendre grâce quand ça va. Rendre grâce à Dieu pour toutes choses, car telle est la volonté de Dieu. Ce n'est pas rendre grâce à Dieu quand ça va bien. Ce n'est pas rendre grâce à Dieu quand tu as eu ce nouveau poste au travail. Ce n'est pas rendre grâce à Dieu quand tout va bien, quand tu as eu un bon rapport médical. Mais rendre grâce à Dieu en toutes choses, car la Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. S'il y a une bonne chose que je vois jusqu'à présent, après ces épreuves, c'est que je suis beaucoup plus proche du Seigneur. Je suis beaucoup plus assurée de l'amour que Dieu me porte. Et je dis cela avec beaucoup, 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 beaucoup d'émotion. Le Seigneur m'aime. Le Seigneur nous aime, malgré nos difficultés, malgré les chemins dans lesquels nous passons. Parfois, le Seigneur nous fait passer par des moments difficiles pour attirer notre attention. Et dans mon cas, je crois jusqu'à présent, parce que au fur et à mesure que tu avances, c'est là que le Seigneur t'éclaire et augmente ta compréhension des choses. Mais de ce que je comprends, de là où est-ce que je suis, le Seigneur voulait attirer mon attention sur beaucoup de choses. J'étais très distraite. Est-ce que je crois que Dieu va encore me bénir? Oui, je crois que le Seigneur va me bénir. Et je me dis, Seigneur, tu as voulu attirer, si c'est comme ça que tu as voulu attirer mon attention, tu me connais. Parce que je ne sais pas comment est-ce que je supporterais de perdre une des toi qui sont là, que je vois déjà. Donc, s'il a fallu que tu casses mon pied en prenant celui que je n'avais pas encore vu, même si ça fait mal, je te rends grâce. Si pour éviter que je me perde, tu as dû me gifler. Tu as dû me faire passer à travers tout cela pour que je puisse faire une introspection et me rendre compte que je suis peut-être en train d'aller en enfer, que je suis en train de peut-être hypothéquer mon salut. Je te rends grâce. Parce qu'au bout du fil, je vais aller au ciel. Parce qu'au bout du fil, je vais rencontrer mon sauveur. Même si sur la terre, le parcours a été difficile. Mais le résultat sera beaucoup plus gratifiant que ce que tu es en train de traverser. Donc je veux nous exhorter tous aujourd'hui. Je suis vraiment désolée, cette vidéo, c'est une vidéo très émouvante, je ne m'y attendais pas. Mais je veux vraiment juste nous exhorter à apprendre à dire merci, apprendre à rendre grâce. Apprendre à rendre grâce quand ça ne va pas comme tu veux. Apprendre à rendre grâce quand tout est noir autour de toi. Parce que Dieu, il est là, même si tu ne vois pas, même si tu ne ressens pas. La parole de Dieu est vraie. Apprends à te baser sur ce qu'il dit de toi. Non pas selon ce que tu ressens, selon ce que tu vois, mais selon qui il est. Et qui il est, on le voit dans sa parole. Je vais vous laisser ici, les amis. J'espère que cette vidéo aura pu édifier quelqu'un. Le but de cette vidéo, vraiment, c'est de nous faire prendre compte, de nous faire réaliser, je veux dire, des bénédictions que nous avons. Des bénédictions que nous avons, avoir la paix, avoir la quiétude, avoir des amis, une famille qui nous aime, avoir la vie, avoir la santé, avoir la maison de Dieu, des frères et des sœurs qui prient pour nous, qui se lèvent au milieu de la nuit pour intercéder pour nous. Rendons grâce à Dieu en toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse et à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.